Mets ta main sur ton cœur. Mets vous lever, je vous en prie. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Encore une fois, dis merci, Éternel. Merci, Éternel. Ce soir. Ce soir. Bénis-moi par ta parole. Bénis-moi par ta parole. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Instruis-moi. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Communique-moi ta révélation. Communique-moi ta révélation. Éternel. Je veux recevoir de toi, la nourriture spirituelle qu'il me faut pour progresser en 2017. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi, s'il te plaît. Oh, pardon, j'ai oublié quelque chose. Pardon, lève-toi. Toutes mes esprits, lève-toi. Tous les démons qui veulent t'empêcher de progresser, assois-toi sur les têtes au nom de Jésus. Assois-toi sur les têtes. Tu es bien assis. Tu es bien assis. Non, père qui bouge en toi. Assois-toi bien. Voilà. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais vraiment dire merci à toute l'église pour votre hospitalité. Ah oui, je suis venu, mais c'est comme si j'étais en toi, Michel. Et puis je trouve que je mange trop, vous me donnez trop à manger. Merci pour votre bonté. Et que chaque geste et chaque action d'hospitalité, le Tout-Puissant, le Dieu des grâces et des miséricordes, vous arrose au nom de Jésus. Amen. J'ai dit qu'il vous arrose au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Dis avec moi, Seigneur. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui entre en 2017. Ça, c'est en 2016, on parlait comme ça. Il dit, Seigneur. Que la mort s'arrête. Dans ma vie. Que la mort s'arrête. Dans mes activités. Que la mort s'arrête. Au nom de Josué, chapitre 5, verset 12. Prenez Josué, chapitre 5, verset 12. Josué, chapitre 5, verset 12. Josué. Josué, c'est dans le Nouveau Testament. Ah. C'est dans quel testament? Vous êtes sûr? Comme ici, vous êtes dans la démocratie, on va voter. Qui sont ceux qui disent que c'est l'Ancien Testament, levez la main que je vois. Bon, ok, ceux qui disent, ceux et celles qui disent que c'est le Nouveau Testament, levez la main. Ah, enfin, d'inquiète au moins. Ah, je suis sûr. Mais il y en a qui n'ont pas levé la main. Ceux qui sont au milieu, entre les deux testaments, levez la main. Parce que j'ai dit ancien, il y en a qui n'ont pas levé les mains. Nouveau, ils n'ont pas levé. Josué chapitre 5, verset 12. Quand je vais compter jusqu'à 3, on lit ensemble, c'est ta Bible. Tu lis ensemble. Vous savez, souvent, lire la Bible là où tu vois ça apporte bien des bénédictions dans nos vies. Et celui qui va lire plus fort que son voisin de droite, il sera béni 7 fois plus que celui-là. Josué chapitre 5, verset combien? 12. Josué. Le premier livre de la Bible, c'est. J'en parle pas bien. Ah, ok, j'entends jeunesse. Le de la jeunesse était là, un petit peu. Ok. Et le premier livre de l'Ancien Testament, c'est. Hein? C'est quoi? Genèse. Le dernier livre de la Bible, c'est. Comment? Apocalypse. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est. Matthieu. Ok. J'espère que vous avez trouvé Josué, chapitre 5, verset 12. Je compte jusqu'à 3. Nettoie le pétagone. Josué chapitre 5, verset 12. Josué chapitre 5, verset 12. Je compte 1. Sois prêt. Data la mort. 2. Data la mort. Ah, comme toi tu as trouvé là, c'est bon. Je vais attendre un peu. Oh, j'ai compté à combien? 2. Deux de l'Église. Josué chapitre 5, verset combien? 12. Tu seras béni ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Le Seigneur est un Dieu qui est bon. Il fait des miracles extraordinaires. Je ne dis pas seulement qu'il fait des miracles. Un miracle, c'est déjà un acte extraordinaire. Mais en plus, il y a des miracles qui sont plus dangereux. Enfin, je ne vais pas dire dangereux. Ça, c'est français. J'ai besoin d'interprète, non? Ah, je veux dire, il y a des miracles qui sont encore plus forts que d'autres miracles. Le Seigneur va nous faire toute ta vie au nom de Jésus. Amen. Il va le faire cette semaine là au nom de Jésus. Ah, pendant qu'on y est, Samuel. Hier, lui, il m'a rendu un témoignage qui a boosté ma foi. Vous savez que notre frère, depuis un certain temps, il avait des problèmes de santé. Et puis, avant-hier, on était ensemble. Il nous a vraiment aidé. Il nous a accompagné partout. Et au moment où moi, je devais rentrer. Non, tu fais bien, mais toujours doucement. Tu fais juste. Ça, en fait, ça m'inspire. Mais c'est toujours trop fort. Et le frère, il devait faire un examen, une santé, quoi. Et tous les radiographies, quelque chose comme ça. Hein? Télégraphie aussi. C'est radio seulement. Il n'y a pas de télé. Ok. Donc, il est allé à l'hôpital pour ses problèmes de. Hein, les os. Les os et tout ça. Et on lui fait les examens. Et puis, il ressort que. Alors que les gens avaient dit qu'il avait toutes sortes de douleurs dans les os. Et que tant, tant, tant. Et les papiers sont là, c'est clair.